Ça vous paraît compliqué? Alors bienvenue dans le monde de la consommation. Suite et fin des représentations des ateliers théâtre de la Maison de l'Enfance, avec cette fois le groupe des lycéens et des post-bac. Composé d'une quinzaine de jeunes, leur pièce intitulée « Les quantités nécessaires » a fait sensation parmi le public. Entièrement créée par les comédiens avec l'aide de Nicolas Turand pour la mise en scène, la pièce nous promène dans une société de consommation à outrance, avec un regard plus ou moins critique sur la télévision, les hypermarchés et surtout la publicité. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je me suis toute tachée! C'est du chocolat! Mais heureusement, il y a la lessive Monsieur Propre. Sans phosphate, garantie écologique. Satisfait ou satisfait? Et là? Choisissant l'humour pour nous dresser un portrait acide de notre société, avec ses travers et ses excès, ces jeunes ont réussi leur pari. Créer un spectacle à la fois drôle, pertinent et parfois même impertinent. La caissière se tient droite. Elle est toujours polie, souriante et sociable. Bonjour, comment allez-vous? Au revoir. Mais le problème, c'est qu'elle fait ça en mâchant du chewing-gum. Bonjour, comment allez-vous? Au revoir. On ose, on mélange les styles, la vidéo, la chorégraphie et le théâtre. On se ridiculise parfois, on se moque souvent de ses propres travers. Finalement, cette pièce respire la fraîcheur et la bonne humeur. Je vais la faire disparaître. Elle va la faire disparaître. Mais je ne vois plus le public. Elle ne voit plus le public. Elle a disparu. On retiendra également de cette pièce cet entracte avec distribution de Coca-Cola pour tout le monde. Cette course-poursuite filmée dans les rayons d'un hypermarché. It's fantastic, I can brush your hair, I'll brush you everywhere. Cette chorégraphie sur les paroles et la musique de Charles Trenet, j'aime la pub. Son look, sa cadence, si je titube, c'est parce que je danse dans ce monde privilégié. La pub pour le bonheur, pour nous c'est réfugié, j'aime la pub. Ces clins d'œil incessants aux grandes marques de notre société. Ouais, ouais. Ces allers-retours comparatifs entre le passé et le présent. À l'époque, on avait déjà une belle image de la femme. C'est toujours d'actualité. Des dialogues savoureux. Maintenant, quand je pète, ça sent bon. Et pour finir, ce concerto pour caissière d'hypermarché. Ce spectacle qui clôture ainsi une saison de travail est sans doute comme l'un des plus aboutis de ces dernières années. On retrouve la patte de Nicolas Turand et la créativité des comédiens. Le public, lui, a été conquis. À l'année prochaine.